Bonsoir, je viens pour une nouvelle vidéo pour nous à travers la situation pays d'Haïti par Monsieur Espérance, par Monsieur Pierre Espérance, qui prend explication comment Haïti gangstérisé avec là, on sait des gangs, nous connaissons comment ça extrêmement difficile Haïti. Comment ça, extrêmement pas bon Haïti? Frère Maxime, c'est un moment qui est extrêmement difficile pour chaque monde qui a vécu Haïti. Je vais prendre un petit temps pour me saluer, bon Dieu papa, qui a tout le pouvoir, qui crée ciel la terre, qui passe les anges là-dedans, pour veiller sur chaque petit lit, qui est dans la rue, qui a marché, qui prend le travail, qui prend l'école, qui prend l'église, qui n'a machine. Bon Dieu papa, toujours par ses anges de l'ordre pour veiller sur petite Lio, pour qui bagaille mal par réveil. Seulement, fais confiance parce qu'il n'y a pas grand bon Dieu pas capable de faire. On peut le faire entendre, Monsieur Pierre Espérance, qui va expliquer nous comment Haïti gangstérisé avec gang dans le pays ça. Il fait alliance avec gang, avec groupe bandit pour massacrer, terroriser la population. Il y a une très haut climat de terreur, un climat de peur pour détourner l'attention sur tout autre problème pays à gagner pour pouvoir capable réaliser référendum ou bien élection qui ont besoin de faire et en fin d'année qui pourra déboucher sur plus crise politique. Donc son pouvoir qui banalise la vie du monde et ça qui a passé depuis plus passer 72 heures dans zone Matissan et Fontamara. Et donc, c'est résultat gestion pour pouvoir faire des sécurités dans le pays. Toutefois, l'autorité responsable fait connaître et prend toute disposition qui est nécessaire pour garantir la sécurité de la population haïtienne. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Marcel Ovilme pour la Voix de l'Amérique. Un programme ça à suivre et depuis jeudi le 17 juin 2021, sorti depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. 6 jours après laisser frapper en Valio, et le premier ministre a Dr. Claude Joseph, a annoncé force de l'ordre reprendre le contrôle entre les sud capitale là, Port-au-Prince. Nous voyons l'événement qui a passé en cascade, nous comprenons. Et nous comprenons très bien. La police là, la MEA, nous mobilisé pour nous permettre la population à vaquer l'activité. Je dis à l'extrêmement important pour tout le monde comprendre que, et tout le monde connaît que c'est un dialogue et une série de problèmes qui nous résout. Le monde qui est derrière ça qu'a fait Dieu. La prévention. Parce que c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Donc on est une situation d'insécurité, ça qui là, ce qui va créer des prix. Nous connaissons qui doit qui derrière. Nous connaissons qui éminence grise qui derrière. Monsieur Sam capable de dire moi. A provoqué terreur en la population. La privé sur nous, même si la privé sur Bandio, quel que soit côté où il est. Le monde qui croit que c'est la violence qui est capable de résoudre le problème. Il faut me dire que je dis là, ce n'est pas possible. Nous tenter, nous faire payer l'oc, nous bloquer le pays plusieurs fois. Je dis à attaquer le commissariat quelques jours avant une mission OEA qui est entrée dans le pays. Quelques mois avant nous réaliser ce scrutin qui vous permette de nous renouveler le personnel politique là. Donc, nous avons dit tout le monde.
que comme président toujours dit, c'est par le dialogue qu'on va résoudre les problèmes. Président Gouin, et par sa raison, qui fait que dans la tête de Mathieu, là, qu'on peut le ministre pour un petit bout de temps. On ne persiste pas à répéter ça. Ça, c'est une volonté manifeste, président, pour l'engager. Bon, j'ai un dialogue pour accoucher un gouvernement définitif, pour qu'il y ait dans la tête un premier ministre définitif. Question insécurité, la police l'a mobilisé. Il y a une bonne instruction pour nous permettre, monde paisible, d'acquérir librement à l'activité. Alors, on dit que le premier ministre IA, Dr. Claude Joseph Tito, dans le message IA, il a fait une visite dans l'entrée sud, ou bien sortie sud, capitale là, Port-au-Prince. Côté l'idée avec force de l'audio, l'idée avec Tito, directeur général IA, président national là, Léon Charles, côté l'idée visiter tout. Monde qui est victime, donc monde qui est déplacé, il était rencontré. Et il était annoncé dans un moment ça, donc, que des dispositions étaient prises pour que normalement, ils contrôlaient, ou que les forces de l'ordre contrôlaient la zone entre sud et capitale là. Mais les journalistes qui étaient parlé sur la question ça, je dis à dire, pas tellement, ouais, vraiment, présence force de l'ordre, et que résidents dans la zone tout dit, ils étaient en pile coup de tirer, et depuis hier soir jusqu'à matin, mais de temps en temps, des coups de tirer qui ont fait de. On sait du côté que pas de cas identifié exactement qui bon. Pour le débat, le directeur AI, police nationale là, Léon Charles, qui a visité zone là, affectée ensemble avec le premier ministre là, Claude Joseph, et bien il a encouragé les policiers pour non seulement défendre le commissariat, mais tout la population. La police là, depuis hier soir, mobilisée sur le Matissan, à partir du 1er avril jusqu'à Mariani. Circulation reprenne. Hier soir, il continue matin. Et jusqu'à ce soir, la police est présente. Et demain matin, la police est présente pour accompagner la population qui a fait usage de AXA, qui est bloquée. Et c'est bloqué, nous connaissons qui dégâts l'a fait sur l'économie du pays. La police est présente. Ben, nous garantit que la police est présente sur AXA, Mantissa, Mariani. L'autre information qu'on a profité, partagée avec nous, c'est l'action que Bandi Armé a fait sous commissariat de police. Pour attaquer fait hier soir, le inspecteur divisionnaire responsable en tête Bouillard qui est assassiné par des bandits. Maintenant, Kouniala, on a attaqué en fait sous-commissariat d'Assaline. La prise disposition pour nous repousser, pour nous quitter l'axe de la Saline et tout l'axe d'Elma pour que la population soit vaquée à l'activité. Même si tout policier, pour nous, c'est protéger et servir. L'un d'entre eux dit seulement, pour ne pas dire nous, dans quelle position. Pour protéger d'être nous, d'abord, pour nous protéger la population. Et quel que soit côté, menace la bénie, n'a pas campé, défendre tête nous, défendre les policiers, défendre la population. La police, le 12 juin, le quelques jours, vous avez 26 ans. C'est 26 ans de tribulation. C'est 26 ans de protection et service avec les moyens du bord. Maintenant, tous les policiers de commandement avec nous. Nous mobiliser, nous protéger tête nous. Et Fanny, que déclaration ça que le directeur AI Police Nationale là, Léon Charles Féa, il a été fait la veille, donc ça a été fait le dimanche 6 juin 2021, et ni lui-même, ni le premier ministre AI, docteur Claude Joseph, il a été fait déclaration après une visite, il a été fait dans la zone. Là. Mais une situation li, probablement li, différente de gens ça et je dis à une après toute déclaration qu'il fait avec ça qui a passé la veille. Donc nous pas de chiffre exactement sur quantité de monde qui soit blessé ou bien qui mourit parmi les belligérants qui ont côté de entre eux ou bien toute population civile là, mais nouvelle nous fait qu'on est gagné monde qui est blessé. Donc plusieurs monde dans la population civile là soit mourir ou bien blessé pendant l'opération pour côté Koutzam n'est pas meilleur à faire entre eux. Depuis mardi et 1er juin pour contrôle territoire
syndicat chauffeur yo propriété avec propriété machine département sud pays nous parler dans ville locale yo levé voix yo pour dénoncer les actes violents chauffeur bis qui fait trajet caille Port-au-Prince sibi dans main nèg armé dans entrée et sortie sud capitale là reportage Jean-Enzeska depuis ville locale Jean Pierre là nous dans station machine au caille côté quantité bus qui fait trajet caille Port-au-Prince réduit considérablement à cause situation violence qui établit au niveau Fontamara à Matissan dans Port-au-Prince quelques chauffeurs victimes que nous avons rencontrés qui pas les journalistes plan image avec expliqué péripéties qui était passé week-end là sur route Matissan moi si un chauffeur qui sont à Port-au-Prince victime pas venir que vendredi matin donc il y a les âmes chez moi yo fouye mi yo pren telefon. Ok? Yo pa mou zam. Yo pa ba zye mse pou zam. Finalman, man te soti vivan paske man mou bon bon di. Ki ap preje sou mwen. Lem te se kan nan la ria, pa kaje, pa manje pou pop. Si mte nan djap, te kama pise djap. Si sou ven men, pa nan djap. Si mwen dek sou ven, paske mte... Nous sommes dans la bouche là, moi. Pour les gens qui ont mouru, bon côté parmi eux, pour les filles, pour les filles, pour les filles, pour les filles, pour les filles. Transformant, ils sont pas équipés, c'est pas facile. Je suis capable de dire que tout chauffeur pareil, pour tout le monde, pour le capitaine de vous. Si après avoir ces matins, pour un peu de prudence, ok? Un peu de prudence, pas pour les mourir, parce que les gens fragiles. Vous avez un peu de prudence. Bon, au niveau de Matisse, pour ta mère, il fait pas sur nous-mêmes, mais. Dans ce sens, quand on est capable de dire ça, ça va être nous va concerner les livres, c'est le travail dans le travail. Mais on sait que nous ne sommes pas à l'aise dans la rue. Parce que nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas arrêtés pour les gens. Si ce sont des actions qu'on a faites, nous ne sommes pas faites pour nous personnels, nous ne sommes pas faites pour tout le monde, à n'importe quel moment, nous sommes des victimes. Mais nous ne sommes pas dire ça dans le jeu de Papadap. Dans le jeu de Papadap, nous-mêmes, par un côté, nous allons aller, nous allons monde, nous transporter tout le monde, nous allons qui est nos côtés. Mais on sait que nous-mêmes, nous sentons vraiment, j'ai lié à nous, pas capoter tête, nous bourrer, parce que ce n'est pas nous qui vivons. Président de l'association propriétaire chauffeur studio, Bertrand Banat, fait connaître la situation ça a une grosse conséquence sur le transport en commun dans le sud pays. Côté un pile chauffeur dans le sud pays victime en bas même bandit. Non simplement nos victimes, mais c'est que aucune victime sort dans comme réaction, c'est justice. Mais je dis à leurs victimes ou victimes nettes, ou pas grand côté, moi pas besoin d'essayer même pour t'apporter plainte parce que la situation. Paraît vraiment infatal devant pour prendre ça au cap diriger dans les eaux même cap diriger non simplement gagner pour passer l'autre le pays a pour fonctionner parce que là si nous avons plus qu'on se mène depuis 13 pour la campagne pas bien caché dit qui mon cap diriger c'est monsieur ça cap diriger dans mon ça n'a pas signalé les frappes qui déclenché en tant groupe gang dans Matissan bloqué quatre départements dans grand sud là depuis environ une semaine, sud-est, Nip, Glandos, Axe Sud. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Alors, on dit ensemble, masse protégée, masse moins protégée, on met ensemble pour limiter la propagation du virus qui baille la pandémie COVID-19. Là. Masse moins protégée, masse protégée, on nous yon protégé l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas joué. Mettre corps, veille corps. Programme ça va suivre là, ceci depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. On a salué quelques amis qui ont suivi nous sur Facebook. C'est Valentin Métayer, Gain Jean Eliassin, Fris Darius, et Gain Dodo Madichon qui est là, tout frappe avec nous, Gain tout Naïk Chapierre, et puis nous connaissons que Jeanel et Désir, papa là, c'est pas capable d'aller, il est toujours avec nous, le branché sur nous. Donc nous saluons tout le monde qui branché avec nous dans le programme ça, jeudi, lundi 7 juin 2020. Et puis, on dit, j'ai organisé son droit à monde, Pierre Espérance, dit, il regrette l'autorité haïtienne, il n'a pas pris des décisions appropriées pour résoudre le problème insécuritaire. Théoriser, il y a massacré la population, hein, et il y a une création de climat de terreur, un climat de paix, pour détourner l'attention sur tout autre problème pays à gagner, pour pouvoir capable réaliser référendum ou bien
solution que vous besoin faire et en fin d'année qui pourra déboucher sur crise politique. Donc son pouvoir qui banalise la vie du monde et ça qui a passé depuis plus passé 72 heures dans zone Matissan et Fondamara et donc c'est résultat gestion pouvoir faire des sécurité dans le pays. Papa prend moyen, la police là vient tout nos instruments politiques dans le pouvoir ou la police va capable même intervenir, va appeler intervenir ou recevoir l'autre pour pas intervenir pour même sauver monde qui a danger. Nous connaît gagné dans Okaï, dans Matissan. Ou te fait un grand monde avec un autre monde qui avec en Dakar là, il y a bien deux jours pas manger. Tout appel qui fait et il va rien dans Dakar là. Par les manger, dans le cas là, tout appel population fait à la police n'a pas intervenu, le gouvernement n'a pas intervenu. Ça veut dire, ça n'a pas assisté, je dis, à, où il y a un terroriste d'État. L'État, il fait alliance avec gang, avec tout bandit, pour massacrer, terroriser la population. Ce n'est pas sans raison, sorti 2018, pour arriver jeudi, je dis, il y a 12 massacres qui fait dans la zone métropolitaine. Et dans 12 massacres, il y a 10 là-dedans, victimes, famille victimes, déposées plaintes. Et pas qu'il y a un dossier ça qui brille et devant la justice. Donc, l'institution va fonctionner. Les pouvoirs ont besoin d'utiliser la police là pour faire répression contre citoyens, pour faire répression contre le même syndicat SPNH CAP. Faire revendication policiers au passé, donc policiers disponibles. Et laissez-vous craser manifestation, laissez-vous faire manifestation contre l'insécurité, contre kidnapping, contre violation de droits monde, contre banalisation de la vie monde, contre corruption, et bien, où est le déploiement de la police. Donc, je dis, solution, c'est dans les populations alliées.